Le Cameroun, de concert avec le reste du monde, a célébré le 5 juin dernier la Journée mondiale de l'environnement. L'occasion faisant le larron, nous sommes à la rencontre du délégué départemental du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable. Monsieur le délégué, bonjour. Merci de nous avoir reçus. Bonjour, madame. Comment est-ce que monsieur le délégué définit l'environnement? Merci pour cette question. Je dirais tout simplement que l'environnement est l'ensemble des éléments naturels, artificiels et bio, géochimiques qui nous entourent, ainsi que parfois des facteurs qu'on peut appeler les facteurs économiques, sociaux, culturels qui favorisent l'existence et qui interagissent ensemble dans un équilibre, dans un milieu où les organismes vivants et les activités humaines s'entremêlent. Donc, très souvent, lorsqu'on était à l'école secondaire, on définit tout l'environnement tout simplement comme l'ensemble des éléments qui nous entourent. Mais pendant qu'on grandit et qu'on a un peu plus de connaissances, il vaudrait mieux donner une définition qui inclut des facteurs économiques, socio-culturels, des éléments, des organismes vivants et même non vivants qui nous entourent et qui interagissent ensemble, formant un équilibre dans notre environnement. Mais ces dernières années, dans la ville de Douala, on a pu constater que la ville fait face à une insalubrité notoire. Alors, on voudrait savoir quel peut être l'impact de ces ordures ménagères dans l'environnement. Eh bien, l'impact des déchets mal gérés, il faut le dire, dans l'environnement sont très connus. Le premier impact, c'est déjà l'insalubrité et la pollution visuelle. Personne n'aime voir les déchets. Donc, cette pollution visuelle est accompagnée par une pollution des odeurs, parce qu'on a des odeurs nauséabondes qui pullulent dans notre environnement, parce que les gens viennent jeter les déchets à même le sol sans les mettre dans des sacs poubelles. Et également, on a facilement des vecteurs de maladies comme des moustiques qui s'alimentent et même des mouches qui s'alimentent dans ces poubelles et qui reviennent nous contaminer avec des maladies qui sont des maladies hydriques, des maladies par exemple le palu et des autres maladies telles que même le choléra, parce qu'aujourd'hui le choléra... Nous remarquons que le choléra se développe de plus en plus quand il y a beaucoup d'inondations. C'est parce qu'il y a beaucoup de déchets qui ont nos rues et qui sont souvent, très souvent, à mélanger avec cette eau qui, lorsqu'il y a des inondations. Maintenant, il y a des impacts qu'on peut dire que les déchets favorisent l'augmentation des inondations. Lorsque ceux-ci sont déposés dans les caniveaux, ils bougent les caniveaux et empêchent l'eau de circuler. Et donc, parfois, les inondations que nous voyons sont également dues à cette mauvaise gestion des déchets. Monsieur le délégué, nous savons que la ville de Douala est une cité économique. Qui dit cité économique dit entreprise, dit industrie. Prenons par exemple le cas de la ville de Bonabéry, qui est une zone dite industrielle. Et à côté de cette zone industrielle, il y a des stations-service. Et à côté de ces stations-service, il y a des maisons d'habitation. Déjà, quel peut être l'impact du fait que ces maisons cohabitent avec ces industries? Et qu'est-ce qui est fait au niveau de la délégation pour préserver, pour protéger ces populations-là qui vivent à côté des entreprises, à côté des industries et à côté des stations-service? Bien, il faut déjà dire que... pour toutes les stations-service, il y a ce qu'on appelle le périmètre de sécurité. Donc, les stations-service sont construites de telle sorte que les maisons qui s'y entourent respectent ce périmètre de sécurité. Mais ça n'annule pas le fait que la proximité avec cette installation classée, on appelle cela les établissements classés, insalubres et incommodes, qui peuvent impacter l'environnement, appelle quand même à se demander quand il verra-t-il s'il y a des problèmes. Maintenant, pour les industries de manière générale, c'est la même chose. Ces industries rejettent, par exemple, des fumées qui peuvent être toxiques, qui peuvent rejettent également de l'eau. Et c'est pour cela que nous, comme vous pouvez le constater pour la ville de Douala, nous avons des zones qu'on appelle des zones industrielles, où des industries ont été mises de côté depuis un certain nombre de temps, et ces zones ont été mises de côté pour que les populations sachent qu'ils ne peuvent pas construire dans ces zones ou à côté, parce qu'il y a une activité de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'établissement classé, insalubre et incommode.
Maintenant, malgré cela, on assiste quand même à une situation où des populations se sont rapprochées vers ces sites. Eh bien, ce qu'il faut s'attendre, c'est effectivement le fait qu'ils soient directement impactés par parfois des fumées non traitées suffisamment, ou alors même lorsqu'il y a un incendie ou alors un incident dans cette industrie, que ça puisse les impacter également. Et donc, nous pensons que il y a lieu quand même de sensibiliser, d'informer les gens pour les faire savoir qu'il y a des sites qu'il ne faut pas trop se rapprocher parce que il y a eu des explosions des entreprises, il y a même eu des feux qui viennent de certaines entreprises qui peuvent facilement se propager vers des ménages et donc il faut tenir compte lorsqu'on est en train de construire et ne pas simplement se rapprocher. Ce qu'on a vu souvent, c'est que quand ces industries se développent ainsi, les ménages, quand ils viennent et ils commencent à subir les impacts de ces usines, commencent à crier à l'administration demandant qu'on vienne déplacer ces industries. Alors que très souvent, ce sont eux qui se sont d'abord rapprochés de ces industries. Il y a des impacts comme des nuisances sonores et olfactives, comme je le disais tantôt, des fumées qui peuvent affecter. Et donc, tout ça ne peut pas contribuer à une bonne cohabitation entre ces industries et ces maisons. Je voudrais savoir que risque une entreprise ou une industrie qui ne respecte pas son environnement, parce que avant d'être créée, avant d'être implémentée, elle se rapproche généralement vers les services compétents, donc vous, pour savoir comment est-ce qu'elle peut ne pas impacter l'environnement dans lequel il va aller s'implanter. Maintenant, si déjà vous lui donnez des directives et qu'il ne respecte pas ces directives-là, comment est-ce que la délégation réagit? Merci. Ce que je voudrais déjà profiter pour dire, c'est que la population doit savoir que toute entreprise qui s'installe autour d'eux doit faire ce qu'on a appelé une étude d'impact environnemental. Maintenant, dans l'étude d'impact environnemental, le législateur a prévu que cette entreprise puisse consulter les populations, les informer de l'activité qu'ils comptent mener. Donc les populations devraient poser la question, est-ce que cette entreprise qui s'installe a fait l'étude d'impact environnemental? Est-ce auquel cas ils devraient les avoir consultés avant de s'installer? Si ce n'est pas le cas, eh bien cette entreprise risque d'être fermée ou d'être sanctionnée par l'État et être amené à être obligé de se conformer et qu'on refasse cette étude qui n'est pas l'objet tout simplement de faire l'étude, mais qui a pour objet de ressortir les mesures d'atténuation. Vous savez, on peut pas quand même dire qu'une ville existerait sans usine, mais on ne peut pas aussi dire que les usines doivent exister pour nuire à la population. Donc chaque entreprise développe cette étude et présente les impacts, mais après avoir présenté les impacts, présente les mesures d'atténuation qu'il va mettre en place pour limiter l'impact qu'il génère vers la population. Et c'est en concertation avec la population. D'où la nécessité de faire cette étude avant de s'installer. S'il ne l'a pas fait, il faut qu'il le fasse et on ressortira bien entendu les impacts et on discutera avec la population comment mieux atténuer ces impacts pour qu'elles ne nuisent pas à la population. Bon, monsieur le délégué, ça c'est le cas des entreprises, on peut dire des grosses entreprises. Maintenant, qu'en est-il des petites entreprises? Prenons par exemple ici au camp Yabassi, où il y a des petits mécaniciens, si on peut les appeler petits mécaniciens. Ils dépannent les voitures, dépannent les motos, l'huile de vidange est au sol, l'huile de graissage est au sol. Qu'est-ce qui est fait à votre niveau à l'encontre de ces personnes-là qui polluent eux aussi l'environnement? Bien, je crois que ce que la question que vous posez m'amène déjà à profiter de cet espace pour dire qu'il y a certaines activités, au vu de leur taille, ont été transférées comme compétences aux collectivités territoriales décentralisées, que sont les communautés urbaines et les mairies. Le cas que vous citez est l'un de ces cas, mais ça n'annule pas le fait que nous avons toujours un droit de regard vers ce type d'activité. Et donc nous pouvons, si la nécessité se présente, opérer des actions de faire arrêter ce type d'action. Il faut déjà néanmoins noter que la plupart de ces activités sont des activités qui sont aussi comme des activités qu'on voit très souvent les gens mener même dans leur propre maison. Mais nous invitons la population parce que c'est toujours la population qui est souvent impactée. Nous ne pouvons pas savoir partout où l'huile est en train d'être déversée. Mais nous pouvons avoir des personnes qui nous font des rapports et déposent une plainte à notre niveau. C'est au ministère de l'Environnement, c'est à la mairie la plus proche ou c'est à la communauté urbaine que ce genre de plainte est déposé. Et lorsqu'il n'y a pas satisfaction, ils doivent nous rapporter ça. Ils déposent une plainte au délégué avec copie au préfet. Et très souvent, avec des éléments, on
peut faire arrêter ça parce que la loi l'interdit. Interdit, par exemple, le déversement des huiles usagées vers le sol, interdit l'installation même des structures comme celle-là sans une autorisation préalable et tout, et tout, et tout. Vous arrivez tout souvent de sanctionner certaines entreprises parce qu'elles ne respectent pas leur environnement? Je peux vous assurer que c'est une bonne question. Je profite pour dire que ici, nous sanctionnons beaucoup des entreprises. Et nos sanctions ne sont pas gentilles, permettez-moi l'expression. Ce sont des lourdes sanctions. Je peux vous donner l'exemple. L'une des dernières sanctions remonte à une entreprise de 10 millions qu'il fallait qu'il paye. Ça remonte à quand? C'est cette année. C'est 2024 année. Oui, c'est cette année. On a sanctionné une entreprise l'année passée et cette sanction, je crois, a été matérialisée cette année. Il y a également le fait que beaucoup de ces sanctions, il y a beaucoup de ces sanctions, mais qu'on ne publie pas encore. On avait une fois l'habitude de publier. Mais vous comprenez que quand vous publiez, vous sanctionnez la personne deux fois. Parce que son image est écornée lui, il est en plus sanctionné. Alors, nous prévoyons de publier bien des sanctions également. C'est ce qu'on appelle, on met ces sanctions dans ce qu'on appelait le sommier des infractions. C'est-à-dire, on donne la liste des entreprises qui sont sanctionnées chez nous. Mais nous ne le publions pas très souvent. Nous choisissons le bon moment. Quand quelqu'un est devenu récalcitrant, c'est-à-dire récidiviste, on est obligé de publier. Et on prévoit, le ministre le fait souvent, et je crois que c'est souvent pour dissuader davantage doublement cette personne à ne plus faire la même chose. Monsieur le délégué, aujourd'hui, la gestion des déchets plastiques pose problème dans la ville de Douala. Vous conviendrez avec moi que partout où on passe, on ne peut ne pas voir des déchets plastiques. Et d'après nos différentes recherches, nous avons pu apprendre qu'un plastique met environ 100 ans avant de disparaître. Maintenant, nous voulons savoir, à votre niveau ici à la délégation, qu'est-ce qui est fait en ce qui concerne la gestion de ces déchets-là? Déjà, j'ajouterais que les plastiques parfois font 200 ans. Donc, c'est assez long. Et le ministère de l'Environnement a, en 2012, arrêté des textes qui interdisaient certains sachets plastiques, ce qui a fortement réduit la production. Nous avons dans le cadre de ces textes l'obligation d'obliger les entreprises à récupérer ces déchets plastiques. Si ce n'était pas le cas, vous ne verrez pas dans nos rues aujourd'hui des gros ballots de moustiquaires avec des bouteilles. Vous les voyez comme ça parce que nous avons mis une obligation vers les entreprises de les récupérer. Et donc, ils payent les associations des particuliers pour les récupérer et pour en faire un recyclage. Donc les bouteilles plastiques, par exemple, sont un bon exemple. Donc il y a des récupérations qui se font par des particuliers, par des associations, et que nous accompagnons, notamment dans le cadre des différents forats que nous mettons en place avec ces différentes associations. Nous sommes en train de travailler avec les communes et les communautés urbaines pour que ces structures mettent également des cages pour mettre souvent des bouteilles plastiques dans ces zones-là. Je crois que si vous avez pu vous apercevoir, il y a certaines cages qui existent, par exemple dans la ville de Douala, où on invite les populations à mettre certaines bouteilles plastiques dedans. Et très bientôt, nous allons voir comment travailler avec des écoles et pour voir dans quelle mesure les élèves peuvent participer à collecter ces bouteilles et à les amener vers les écoles où ils sont facilement collectés pour être acheminés vers le site de recyclage. D'accord. Dans certains quartiers, nous avons pu constater que les habitants, à cause de l'absence régulière de l'entreprise en charge de la collecte et du ramassage des ordures, ces populations-là sont obligées de brûler leurs ordures ménagères. Donc, elles les entassent quelque part et les brûlent. Quel peut être l'impact de cet acte envers l'environnement? Premièrement, il est interdit de brûler les déchets. Qu'il y ait une personne pour collecter ou pas, il est interdit de brûler les déchets. Pourquoi est-ce qu'il est interdit de brûler les déchets? Tout simplement parce que lorsque vous brûlez le déchet, pour vous, votre objectif, c'est de réduire sa quantité et le fait que ça ne puisse pas apporter des vermines et tout cela. Mais pour tout le monde, y compris vous-même, l'impact est énorme. En fait, vous avez donné à ces déchets des ailes. Et ces déchets vont voyager jusqu'à vos poumons. Vous serez le premier à être impacté parce que lorsque la toxicité de ces déchets arrive dans vos poumons, il commence un travail
de destruction à petit feu et vous inhalez ce qu'on appelle le polluant organique persistant. Ils voyagent de longues distances et ils persistent. Et c'est ainsi que des personnes développent aujourd'hui des cancers sans savoir l'origine. Beaucoup de cancers sont dus à l'inhalation des polluants organiques persistants qui viennent de la mauvaise combustion de certains produits tels que les déchets et qui très souvent sont à l'origine de plusieurs maladies. Et donc, c'est fortement déconseillé et généralement, nous pensons que pour surtout des cas industriels que nous suivons particulièrement, nous sentions systématiquement des personnes que nous trouvons en train de brûler à l'air libre des déchets. Hier, le monde entier et le Cameroun y compris a célébré la journée mondiale de l'environnement. Monsieur le délégué, quelle lecture faites-vous du thème qui a été arrêté à l'occasion de cette journée? Merci. Déjà, le thème concernait la restauration des terres, la lutte contre la désertification et la sécheresse. Nous disons tout simplement que, comme le message du secrétaire général de l'ONU disait, nous devons tous être des générations de restauration. Les générations passées ont passé le temps à couper les arbres. Et c'est la coupe de ces arbres qui a entraîné les désertifications que nous vivons aujourd'hui. Nous savons que chaque fois que nous coupons un arbre, nous exposons la terre en dessous à des l'érosion et à toute forme de dégradation. Et la coupe abondante de ces arbres entraîne in fine l'avancée du désert. Aujourd'hui, le désert est en train de s'avancer et ça a même commencé à impacter la région littorale. Nous pensons que nous pouvons commencer à être une génération qui replante ces arbres si nous tous, nous veillons tout simplement à ce que partout où nous construisons nos maisons, nous veillons à planter des arbres. Déjà, ça permet de créer un microclimat autour de nous avec la montée des températures que nous expérimentons un peu dans nos villes, mais surtout créer l'ombrage qui peut servir à toute personne et favoriser la lutte contre les changements climatiques que nous vivons aujourd'hui. Donc, nous pensons que ce thème tient au bon moment parce que ça nous avertit, ça nous informe et ça donne quand même l'occasion pour que tout le monde puisse comprendre que nous n'avons qu'une seule terre, que nous ne pouvons pas en avoir deux et que celle-ci que nous détruisons, nous ne le changerons pas avec une quelconque autre terre. D'accord. Monsieur le délégué, quelles sont les activités qui ont été entreprises hier par votre délégation justement concernant cette journée? Qu'est-ce que la délégation a fait? Bien, nous avons travaillé avec la délégation régionale depuis plus de 2-3 semaines aujourd'hui en vue de marquer la célébration de cette journée mondiale de l'environnement. Il y a eu d'activités d'assainissement. Nous avons passé du temps à collecter des bouteilles plastiques, question de montrer à d'autres personnes ce qu'il faut faire. Il y a eu des activités de marche des incollables avec des élèves des secondaires qui consistaient à les sensibiliser sur ce qu'ils doivent comprendre par rapport à la lutte contre toute forme de dégradation de l'environnement. Il y a eu des activités de plantation d'arbres et qui ont été suffisamment suivies par beaucoup des entreprises citoyennes et d'autres activités comme des sketchs et d'autres pour davantage démontrer les actions que nous devons tous désormais adopter parce que sans cela, nous contribuerons que à détruire cette terre que nous avons. Monsieur le délégué, si vous deviez donner un conseil à la population de Douala pour qu'elle préserve l'environnement, qu'est-ce que vous leur direz? Le premier conseil que je donnerais, certainement, c'est que chaque personne peut contribuer à préserver l'environnement. Au quotidien, lorsque nous nous levons le matin, nous savons une chose, nous pouvons contribuer à détruire l'environnement ou à la préserver à travers chacune de nos gestes. Le geste que nous faisons souvent, c'est premièrement la manière dont nous gérons le déchet que nous générons dans la journée. Qu'est-ce que nous en faisons? Mettons ces déchets dans une poubelle appropriée et ou dans un sac poubelle. Et veillons à éviter de jeter les déchets n'importe où. Ça détruit l'environnement. Deuxième conseil que je conseillerais, c'est lorsque nous avons des projets, veillons à ce que ces projets ne détruisent pas l'environnement sans pouvoir le contribuer à leur remédier. Parce que chaque destruction que nous faisons,
nous ne sommes une parmi beaucoup d'autres personnes qui faisons, et ces actions in fine contribueront à détruire la Terre. Donc je pense que chacun à son niveau pour contribuer à mieux préserver cet environnement. Certainement la dernière question pour sortir de cet entretien, monsieur le délégué. Nous avons des enfants à la maison. Quel conseil est-ce qu'on peut donner à un enfant de 3 ans, de 2 ans, 3 ans? Qu'est-ce qu'il doit faire? Quel geste il doit faire pour protéger à son niveau, pour préserver à son niveau l'environnement? Là, ce que nous conseillons déjà d'abord aux enfants, c'est que nous avons remarqué que c'est les enfants très souvent qui sont appelés à partir jeter la poubelle dans les bacs à ordures. Les enfants, s'il vous plaît, ne jetez pas les déchets derrière la maison ni dans les rigoles. Si vraiment il n'y a pas un bac autour de vous, d'abord, il faut identifier, il faut d'abord que chaque enfant demande à papa ou maman où est le bac où on doit jeter le déchet. Très souvent, l'enfant risque, le père risque de dire que c'est très loin, va jeter ça plutôt là-bas. Non, ça, ce n'est pas le bon conseil. Il faut que l'enfant dise à papa que ce n'est pas bien de jeter les déchets par terre. Parce que la ville a choisi des sites appropriés où on peut jeter les déchets. Faire tout, et ça c'est toujours conseil aux enfants, père doit dire à maman qu'on met tous les déchets dans un plastique avant de sortir avec. Ça éviterait que ces déchets ne se déversent n'importe comment et que ça soit emporté soit par le vent, soit par les eaux, mais que ce soit conservé dans un tact. Les enfants aussi peuvent faire tout pour planter un arbre et dire « moi j'ai planté mon arbre, voici mon arbre ». Pendant que l'arbre grandit, eux aussi grandit, ça fera leur fierté. D'accord. Merci monsieur le délégué pour cet entretien fort enrichissant. Mesdames, messieurs, c'est ici que se termine cet entretien avec le délégué. Au revoir.